et moi, ça fait 2 ans que je suis dans le recyclage en indépendant et 1 an et demi en entreprise, donc environ 3 ans et demi que je suis dans le recyclage des papiers et des cartons. Et l'organisation au quotidien, bon, comme vous l'avez vu, on a un point d'achat localisé au marché Moupi actuellement et on vient là avec notre véhicule, on gare, on accroche une balance et il y a des ramasseurs de cartons qui sont des enfants de la rue. On les appelle en français familier les Nanga. Ce sont des enfants de la rue qui ont fait de cette activité leur activité à eux. Donc quand on vient le matin, on gare le véhicule, eux ils viennent donc avec les cartons qu'ils ont ramassés à n'importe quel endroit dans la rue et ils nous les livrent. Et donc on peut donc passer toute une journée et à la fin on a 1 tonne 5, 2 tonnes, 3 tonnes selon qu'il y ait marché ou pas, parce que vous savez que les cartons sont généralement les déchets des marchés. Donc s'il y a eu beaucoup de marchés ce jour, vous aurez beaucoup de cartons, mais si le marché n'a pas beaucoup tourné, c'est sûr que bon, on n'aura pas suffisamment de cartons.